formidable, hein. Bravo. Oh, c'est vrai. Et le bonhomme c'était l'aime était vachement bien. Et il est pas là, Jean-Michel Maire. Ah, si, ils sont où, Jean-Michel? Ah oui, Jean-Michel Maire et Gilles Verdez. Est-ce qu'ils peuvent venir, les chéris? De Jean-Luc Lemoine et on parle de Jean-Michel Maire et Gilles Verdez, donc ils sont là ce soir. Exactement. Allez, tout de suite la question. Bonjour, je m'appelle Marc. Je voulais vous dire que je ne regarde votre émission que pour Maxime Guény, car lui au moins, il me rappelle la télé d'autrefois. Comment fait-il pour paraître si jeune à 65 ans? C'est un peu ça. Ouais, c'est ça. Alors je comprends cette question, cher Marc, mais le secret de Maxime est simple. Il n'est pas ses 65 ans, car il en a 30. Je sais, il se passe des choses derrière. Alors je sais, c'est choquant qu'il ait 30 ans, mais c'est pourtant la vérité. D'ailleurs, si vous voulez comprendre la relation de Jean-Michel Maire et Maxime Guény, je vous invite à regarder le film Hibernatus. Non, mais avec d'un côté Louis de Funès, un ancien irascible, et l'autre un vieux jeune qui sursaute à la moindre occasion. Là, c'était pendant un blind test. Enfin, un blind test version TPMP, où on doit répondre avec ses pieds. Il y a eu des petits recadrages pour l'été pour faire un peu plus émission média. Donc quand le pied de Jean-Michel avec son gros oignon apparaît d'un seul coup dans votre champ de vision, ça peut surprendre. La frayeur de la semaine. C'est horrible. Et vient le temps. Il a réussi. Ah mais c'est là où on se dit qu'il est différent de nous. Oui, nous on se fout de tout, du décor. Lui, sa vraie inquiétude, c'est savoir si Jean-Michel a rayé la table ou pas. Et la suite, encore mieux. Vous avez reconnu la musique là? Oui. C'est qui? Ça, c'est John Legend. Bah, vaut mieux, parce que c'est dans votre compil. Vaut mieux que vous le sachiez. C'est John Legend. Ah oui, c'est une de mes chansons préférées. Ambiance romantique. Ouais. Cyril demande de se donner la main, enfin à tout le monde. Le problème, c'est que Maxime est toujours assis à côté de Jean-Michel. Ça l'obsède la table. Hein. Donc Maxime, c'est le chroniqueur modèle. Ouais. Enfin, ça l'était jusqu'à la semaine dernière. Car oui, pour la première fois, il a montré des signes de faiblesse. Jusqu'à présent, il était infaillible quand Cyril lui donnait la parole. Et là, devant nos yeux ébahis, comment dire, pour parler comme lui le ferait avec son langage moderne, patatras. Les obsédés en cuisine, on va maintenant passer à la meilleure boulangerie de France. Ça marche pas terrible. Hein. Oh, bah top. Non, j'ai pas l'aide d'audience. Ils ont fait un record en audience hier. Voilà. On peut bien en parler. Voilà. Non, ils ont fait un record d'audience avant-hier. Voilà. Ça, 110 000. Avant-hier, voilà. Avant-hier. Avant-hier. Oui. D'accord, j'ai 24 heures de retard. C'est terrible. Ça arrive, hein. Hey, les gars, ça arrive, hein. Alors, que s'est-il passé? Comment Maxime a-t-il pu passer au travers? J'ai la réponse. Ah. Alors, Cyril, ça va vous choquer. Kelly, je vais te briser le cœur. Mais si Maxime avait l'air à côté de ses pompes, c'est juste parce que la veille au soir, il était sorti avec Agathe Auproux et Virginie, notre styliste. J'aime bien, c'est croustillant. Alors vous allez me dire, c'est pas grand-chose de sortir. Si. Ok, mais il faut le remettre dans le contexte. Il faut comparer ce qui est comparable. Maxime qui sort, c'est comme un enfant de 12 ans qui boit un verre de punch à l'anniversaire de son papy. Hein. Il n'est pas habitué. Résultat, ça donne ces images qu'on n'aurait jamais voulu voir. C'est énorme. Ça marche pas terrible. Ah, hein. Oh, bah top. Non, j'ai pas l'aide d'audience. C'est énorme. Non, je pas les audiences. Désolé. Foufou le camp. Heureusement que Cyril est là pour tenir la baraque. Merci. Car oui, c'est pas avec des rigolos qui font les foufous dans les karaokés que l'émission va maintenir son niveau. Cyril l'a dit, cette année, l'émission sera plus sérieuse. Oui. Ce soir-là, on diffusait le film Ghost. Combien? Pas du tout.
J'ai craqué. J'ai craqué, monsieur. J'ai craqué. En tout cas, félicitations. Vous faites très bien le tigre à dents de sabre. Mais je sais. Ces images, vous pouvez les vendre facile à National Geographic. Mais il est comme ça, Cyril. Il crée tellement et tout le temps que parfois, il se perd. Si je vous dis Bento, oui. Hein, ça, vous souvenez de ce qui s'est passé? C'est Gilles Verdez. Gilles Verdez, oui. On regarde. Un petit rappel. On rappelle le Bento. Oui. C'est les gobelets comme ça. Oui. Vous devez trouver. Hein. Trois gobelets. Excusez-moi, allez, sur la tête de ma mère. Voilà, bah, vous savez quoi? Vous m'avez tellement saoulé. Non. Écoutez-moi bien, vous allez lui préparer trois gobelets. Avec une table, il va aller faire du bento toutes les nuits. Donc Cyril avait eu l'excellente idée d'organiser un bento avec Gilles Verdez dans la rue. Ça a été diffusé quand dans l'émission, ça? Ça? Ouais. Mais parce que non, ah. En fait, il est. Ah ouais, oui, non, on a eu un petit extrait. C'est non, ça. Non, parce que c'est ça le problème avec Cyril. Il annonce et après il oublie. Si, on l'a eu un peu dans la rue. Vous êtes sûr? Ouais, certains. Ouais. Non, mais... Certains, mais un petit peu. C'est pas grave d'oublier, mais sauf que pendant que vous parliez, les médias, il y avait l'ancien rédacteur en chef du Parisien qui s'excitait dehors avec trois gobelets. Pour que vous compreniez bien, je vous ai mis les images et laissé le son de ce qui se passait au même moment en plateau. J'adore. Un grand moment de solitude. J'adore. Pas d'extrait. Merci. Ah oui, mais j'aime bien moi. C'est qui la marque? Bahamla. Ah, j'aime bien, c'est Bahamla. Alors il faut citer d'autres marques de luxe. C'est bien éclaté. Ça m'a fait plaisir. Est-ce que vous voulez qu'on passe à votre feuilleton préféré? Bien sûr, je sais ce que c'est. Les aventures d'Agathe et Kelly. Alias Une fille et une fille. Ouais. Série palpitante au scénario bourré de rebondissements. Ah oui. Dans l'épisode précédent, Agathe et Kelly aimaient bien les couleurs de leurs vêtements, donc faisaient des selfies. Mais Agathe trouvait que le selfie, ça lui faisait une grosse tête. Oui, c'est vrai. D'où un gros problème. Leur amitié allait-elle en pâtir? Allait-elle renoncer au selfie? La réponse tout de suite. J'adore. Non, mais ça me fait une tête énorme. Bah, celles que tu détestes, tu ne les envoies pas, mais toutes les autres, tu les envoies. Ok, ça va. Okay. Mon téléphone fait des bien plus belles photos. Ça, on l'aura compris. Ça va pas se mentir. Attention, ça arrive. Ça arrive. Je crois que le tien, il est mieux. Hein. Mais bien sûr qu'il est mieux. C'est dingue, ça. Mais ouais, c'est quoi ton portable? Attends. C'était qui ce gars? C'est toi? Vous êtes parfait. Tu les enverras. Sont sympas les deux. Maintenant, ça lui fait des yeux trop petits. On a hâte qu'Agathe s'accepte comme elle est, sinon adieu les selfies. C'est vrai que je m'en Allez, je voudrais maintenant parler de Meriem, la nouvelle chroniqueuse apparue la semaine dernière. Alors, je voudrais en parler maintenant parce qu'en ce moment, il y a un tel passage dans cette émission que je ne sais pas quand on va la revoir. Hein. D'ailleurs, à partir de la semaine prochaine, chaque chroniqueur aura un badge avec son prénom dessus pour que Cyril et les téléspectateurs puissent s'y retrouver. Donc, Meriem est venue et dès le générique de début, on a vu qu'elle allait bien. Une fille qui fait le robot, tu te dis, ah ouais, là, on tient une bonne chroniqueuse. Alors, si en plus, elle s'y connaît un peu en actu média, là, Cyril faisait une vanne sur Family Battle. C'est comme si on faisait revenir la famille en or sur C8. Il dit ça parce qu'elle revient. Non. Et c'est lui qui va la présenter. Ah, ok. Ça, c'est énorme. En 7 ans, on a vu passer pas mal de monde autour de la table, mais on n'avait pas encore eu de chroniqueuse pour les sourds et malentendants, qui traduit en signe ce qui se passe dans l'émission. Avec Meriem, c'est rectifié. Moi, c'est personne vrai. Ne vous écoute. Oh, oh tu sais, mec, j'ai l'impression d'avoir une embrouille dans un truc. Je l'adore. Franchement, je l'adore. Papa. Voilà, ça, en langage des signes. Ça veut dire, et t'as bien fracassé la gueule. Alors bien sûr, vous allez me dire, pourquoi? Qu'est-ce qui a fait la différence? Pourquoi Cyril a-t-il fait appel à elle? Eh bien, simplement parce que Cyril, c'est un bosseur. Hein, il s'arrête pas aux évidences. Et en consultant le passé militaire de Meriem, il s'est dit qu'elle avait toutes les qualités pour nous rejoindre.
Tu sais, j'ai failli faire de l'armée. Ouais, moi. Et pourquoi t'as demandé ça? C'est une blague? Non, c'est vrai, j'ai failli faire l'armée de l'air. Je te jure, et pourquoi t'as pas fait? Parce que j'ai pas réussi les tests. Les tests physiques? Non, psychologiques. Ah ouais? Et voilà, bim, dans ta gueule! Bim, dans ta gueule! Je l'adore. Mais franchement, c'est un profil qu'on n'avait pas. Avec un regard super expressif. Alors, c'est mon moment préféré. C'est quand Titov va faire une vanne. Mariam ne va pas du tout apprécier d'être coupée, se demandant, mais c'est qui lui? Qu'est-ce qu'il me veut? Puis elle va le caresser, doucement, genre, comme si elle disait, t'es gentil, laisse-nous tranquilles entre adultes. Regardez. Dans toutes les émissions, tout est bidonné, c'est sûr. Et même si le mec... Non. Laissez-la finir. Mais enfin, moi, enfin, je parle pas en tant que personnellement, j'adore les cafards, quoi. Tu vois, allez, allez. C'est ça que je voulais dire. Allez-y. Après, alors, je parle en tant que téléspectateur. C'est génial. Alors, ça, on engage des six, c'est-à-dire... ta gueule. En tout cas, ça fait une très belle transition pour le Top Gênance, cette compilation des petits moments étranges et inclassables de TPMP. J'adore, moi. Voilà, c'est des images, tu les vois, qu'est-ce que tu fais? Waouh! Waouh! Je regarde parfois les enfants de jeunes. Elle est très maligne, donc elle dit toujours ce qui va faire un peu le buzz, mais c'est pas vraiment ce qu'elle pense. Comment qu'elle vous trouvez? Ah, bah. Et ça fait même plaisir quand vous êtes dans l'émission, merci. Vous avez un coup de gueule à Gâteau Prou? Alors, c'est quand même sur des recommandations publiques que le laboratoire a changé la formule. Absolument, c'est pour ça, c'est pour Jean-Mi, c'est ta mère.